大家好，卡米又回来给你们讲绘本了。今天讲的故事是 Juliette 系列的 Petite Princesse。来，这就是 Juliette。Elle se déguise en petite princesse avec son joli collier, son bracelet et sa petite couronne. Et bien sûr, une belle robe. 作者 Doris Loer, 出版社Little. 好，我们开始了。Depuis des jours et des jours, Juliette rêve d'être une princesse. Une princesse de conte de fées. Mets ta robe de Blanche-Neige, dit maman. Elle n'est pas très jolie. Et en plus, Noémie a la même. Une vraie princesse, elle a une robe très très belle qui tourne bien et sur sa tête, elle a un diadème. Une robe de princesse. Juliette et papa cherchent la robe dans les magasins. C'est pas super, hein, marmonne-t-elle. C'est trop cher, siffle papa. Seule cette parure de bijoux est bien. Juliette est déçue. Alors, mamie a une bonne idée. Elle emmène au marché pour choisir des étoffes soyeuses et pailletées. Et elle sort son maître ruban. Tu auras ta robe sur mesure, comme dans le temps. Rentre ton ventre, mon enfant. Mamie va lui fabriquer une robe, une belle robe uniquement pour elle. Pendant que mamie coud, Juliette s'entraîne au métier de princesse. Mine de rien, c'est du travail, hein. Qu'est-ce que vous croyez ? Ne plus se mettre le doigt dans le nez, se faire une taille de guêpe, une démarche gracieuse et un port de tête altier. S'entraîner à marcher droit avec des livres sur la tête. Il faut aussi lever le petit doigt pour boire son chocolat et avoir un vocabulaire cultivé. Mon cher petit Pierre, si vous voulez être mon prince, vous fallait arrêter de faire votre proproute dans votre couche culottée. Oui, il faut apprendre tout le tralala. La robe est enfin prête. Elle est très réussie. Youpi! Elle tourne, tourne! Bravo, mamie! Juliette n'a plus qu'à se faire une beauté. Mettre son diadème, ses bracelets, ses colliers et se mettre en quête de petits objets princiers. Alors, des pommes, un petit pois, des cendres et un balai. J'en ai pour les nains. J'ai simplé. Mais un crapaud et une citrouille, où est-ce que je vais les trouver? Et ma marraine, elle sait faire la fée? Heureusement, j'ai aussi petit Pierre. On dirait que tu es la méchante sorcière. Tu joues à quoi? Demande maman. À la princesse au petit pois, ça se voit pas? Ah ah, j'aimerais mieux que tu joues à celle des mille et une nuits, c'est moins périlleux. Mais moi, je sais que compter jusqu'à 22, et je ne la connais même pas celle-là. Tiens, la princesse est déjà fatiguée de jouer, elle a trop fait la fête. Pas du tout, la princesse attend. Peut-on savoir quoi? Mais maman, tu vois bien que j'attends mon prince charmant. Voilà, Juliette
attend son prince charmant pour lui faire un bisou et la réveiller. À quoi cette histoire vous fait penser? À la belle qui dort tout le temps, qui attend son prince pour venir lui faire un bisou et la réveiller. Vous connaissez cette histoire? Comment elle s'appelle? Si vous connaissez la réponse, vous pouvez le mettre dans les commentaires, en dessous de la vidéo. Si vous aimez Camille, tiens, faille, oui, ben couche, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner. Voilà, je vous dis à la prochaine fois. Gros bisous!